Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition de Couléa, politique d'Ankea créole. On poursuit notre aventure sur la troisième circonscription et vous permettre d'entendre l'intégralité des interviews des 13 candidats. Et pour ce faire, ce soir, on accueille Sandrine Moukine qui elle aussi apporte sa pierre à l'édifice et souhaite bien sûr le 12 juin arriver à gagner, remporter cette bataille. L'aventure, vous pouvez la suivre sur le réseau Bleu et Blanc, mais notamment sur notre chaîne YouTube également, un petit peu moins convoitée, mais l'essentiel, on a de quoi dialoguer avec vous. Et je vous propose ce soir l'interview de Sandrine Moukine sur la troisième circonscription dans Couléa politique d'Ankea créole. C'est parti. Madame Sandrine Moukine. Bonjour Monsieur William. Super, merci. Donc bienvenue dans Couléa politique d'Ankea créole. Merci de m'avoir invité à faire cette interview. Avec grand plaisir. Oui. Et justement, d'entrée de jeu, comment vous travaillez sur le terrain? Alors, travailler à fond, à fond parce que on a un objectif à atteindre. Ouais. Si je me lance en tant que députée, c'est pas pour dire je vais faire ou je fais des promesses, mais c'est pour dire que je vais y arriver pour dire comment on travaille et être transparent, comment un député travaille pour la Réunion. Très bien. Et les points sensibles justement, la retraite, on a vu l'inflation, le pouvoir d'achat, l'insécurité, le logement, le tourisme, les agriculteurs. De votre côté, ça donne quoi? Alors de mon côté, je trouve que, la situation est grave quand même à La Réunion. Hein, on est un département depuis 1946. Et moi, je suis partie en métropole, je pensais le fait qu'on soit département, qu'il y aurait des améliorations, que La Réunion serait un peu en l'air, etc. Et je vois qu'il y a des gens, les personnes, notamment les agriculteurs, retraite minable, et on veut pousser ces gens-là à faire une retraite à 65 ans. Non, moi je dis non, moi je veux une retraite à 60 ans, revalorisation de la retraite pour ces personnes-là, et quel que soit le métier. Je veux dire, si les gens ils ont travaillé, ils méritent une retraite digne de ce nom. Donc là-dessus, je vais travailler, je milite, je bataille parce que les enfants en situation de handicap ici à La Réunion, donc partout c'est la panique, mais essentiellement à La Réunion, je trouve qu'il y a du boulot, même si monsieur l'ancien Premier ministre m'a dit que c'est mieux qu'avant. Eh bien, si c'était mieux qu'avant, pourquoi 20 ans, 30 ans après certains parents, on bataille toujours pour les mêmes problématiques? Donc moi, ce sera un dossier que je vais défendre corps et âme parce qu'il y a une loi depuis 2005 et n'a rien avancé au fait. Il y a une loi qui n'est pas appliquée et moi, j'aimerais chercher la force avec d'autres députés ultramarins ou pas pour qu'on statue sur cette loi, que cette loi soit mieux appliquée, soit mieux défendue et que les enfants ou les personnes en situation de handicap soient défendues au fait. Voilà. C'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Et au niveau de l'insécurité, justement, au niveau de la gente féminine, avec tous ces féminicides qu'on entend, une actualité déplorable. Exactement. Alors, sous l'ancien gouvernement, M. Macron avait dit qu'il allait faire des efforts pour cela. Il a envoyé Marlène Schiappa, qui était secrétaire d'État à l'époque, pour dire qu'il y aura des avancées énormes concernant la situation des femmes battues, des enfants battus. Et aujourd'hui, on est sur le terrain parce qu'on continue, les bonhommes continuent à tuer, c'est aussi valable dans l'autre sens, mais au niveau sécurité, on a promis des gendarmes, des policiers formés à l'accueil des gens qui subiraient de la violence, pour les enfants également, mais on se rend compte que c'est beau sur le papier, mais sur le terrain, c'est encore, il y a du boulot. Ça ne se concrétise pas du tout. Ça ne se concrétise pas du tout, parce qu'il y a une enveloppe qui a été mise sur la table pour pouvoir engager, pour former des gendarmes à l'accueil, et aujourd'hui, je sais qu'il y a des associations qui se plaignent toujours que c'est pas concluant au fait. On a eu de l'argent qui a traversé, mais le résultat est que les femmes battues, ils ont toujours du mal à se faire entendre. Les enfants qui sont entre ces deux parents violents, c'est pareil, le suivi psychologique, on a du mal aussi à mettre en place. Donc ça aussi, ce sera un point fort en tant que, si j'arrive à être députée, aller chercher les autres députés pour que vraiment on travaille là-dessus et qu'il y a vraiment de sécurité par rapport aux enfants et aux, aux,
aux femmes, même les messieurs, parce qu'il y a aussi les messieurs qui sont battus. Donc des deux sens. Mm-hmm. Je veux dire que soit, si la femme est battue, le monsieur il s'en va, et si c'est la madame qui est violente, elle s'en va. On protège le foyer. Le foyer, voilà. C'est ça. Donc on va dire énormément de lacunes de nos élus locaux. Je constate, parce que je veux dire, moi j'ai vu, j'ai rencontré certains élus par rapport, je reviens sur les enfants sur handicap, ils nous reçoivent, même pour la violence, ils nous reçoivent, mais j'ai l'impression que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Nous, on n'a pas besoin de ça, on a besoin vraiment du concret qui nous montre. On a demandé la transparence en tant que gilet jaune, on est descendu du long chemin, on a demandé la transparence de la part des élus. Et ben, on est en 2022, on ne voit pas les élus travailler dans ce sens-là. Et après, ils disent, quand ils sont dans les débats, j'ai fait, redonnez-nous 5 ans pour en faire. Ben non, je pense que 20, tant 30, tant 40, tant vous n'avez pas fait, on ne va pas vous redonner encore 5 ans. Moi, j'espère que les gens vont être réceptifs, parce que nous voulons le changement, mais il faut nous donner à nous le moyen de changer. Je sais qu'il y en a, ils disent, les nouveaux, que vous avez fait. Ben non, les nouveaux, là, il faut donner à vous la chance, parce que si les anciens ne l'ont pas fait, là, peut-être les nouveaux, là, on va les chercher vraiment. Moi, en tout cas, moi, ce qui me concerne, me pointe du doigt, mais je veux chercher la force avec les autres députés, si j'y arrive, pour pouvoir vraiment travailler pour la Réunion. Voilà. Pour dire et être transparent, dire j'ai essayé de faire ça, mais j'ai pas réussi. Mais je laisserai pas les gens dans le vide, parce que c'est important de communiquer sur le travail pour lequel on nous a mis en place, au fait. C'est et ça. Tout travail mérite salaire. Et quand un élu ne veut pas aller à l'Assemblée, par exemple, il trouve que c'est vrai qu'on est loin. Mais si l'élu veut pas aller, qu'il arrête. Qui passe la main à quelqu'un d'autre et qu'on arrête de le payer. Parce qu'à Moun, ça n'a pas de travail aujourd'hui, là. Ils sanctionnent aller. Donc les élus, ils ne travaillent pas, mais ils n'allaient pas sanctionner. Et c'est pour ça qu'ils restent en place. Et après ça, non seulement on a vu comment le gâteau est bien, et bien maintenant, je vais transmettre la cerise à d'autres amis ou à d'autres enfants. Uh-huh. Donc stop à ce genre de magouille. Certains héritiers, certains parasites. Je vise personne. Je vise personne. Mais. Comment dire, ils vont se reconnaître, il y a au moins dans 3 villes des papas qui lancent leur fils. Ils ont le droit, comme dirait l'autre, ils ont le droit de lancer leur fils si c'est vraiment la volonté. Mais si le papa a déjà lu les limites, lui envoie son enfant, nous, à nous d'être vigilants et de donner cette sanction, en fait. Parce que je pense que si la vote marine, c'est pas pour rien. C'est parce que là, vraiment, nous commençons à dire marre de cette politique corrompue et de copinage, en fait. Copain cochon, ça suffit, en fait. Ça suffit. Moi, je me dis stop à tout ça. Parce que. Aller en métropole, revenir et voir qu'il y a des politiciens qui sont en place et que la Réunion est toujours à terre, au fait. Moi, en tant que ultramarine, en tant que réunionnaise, moi, elle est choquée. La choque à moi, et midi, m'a descendu dans le chemin pour ça. Et aujourd'hui, si on a le moyen de changer les choses, donne-nous la force, les gens, parce que nous avons besoin des autres. Il faut que nous changions. Il faut que nous changions ce système politique-là. Et que nous avons des gens vraiment avec le cœur, ça va. Et que si des autres n'ont pas gagné fait, ils nous seront capables de dire aux autres sans honte que nous n'avons pas gagné fait. Nous l'avons essayé. Nous donne les preuves que nous avons essayé et que nous n'avons pas gagné. Mais si nous avons gagné, ce sera d'autant plus, plus meilleur, il ne dit pas, mais Mamidi sera plus meilleur pour nous parce que nous aurons réussi à défendre Azote, en fait. Voilà, merci. Alors, j'en profite de cette interview avec William pour dire qu'aujourd'hui, 4 juin, c'est la journée de sensibilisation contre les violences faites aux enfants. Ces enfants, ces anges, donc c'est leur journée aujourd'hui de lutte contre la violence, de sensibilisation contre la violence faite aux enfants. Alors, le 12 juin, les gens de Moun, Tonton, ma tante, mamie, oublie pas, me connais la politique qui intéresse plus autres, me connais que les législatives qui intéressent pas autres. Mais le 12 juin, s'il vous plaît, si tu veux le changement réel et total, allez voter. Pour la 3e circonscription, Sandrine Monquine et Monsi Pléan, votez pour nous, parce que nous l'avons besoin d'eux autres. Si nous voulons le changement, nous l'avons besoin d'eux autres, il faut ça voter. Mais dis pas, m'y oblige pas d'autres, mais le changement, il faut y ça voter.